Cette vidéo a choqué les internautes. Cette vidéo a fait déjà 3 jours. Ça fait parler énormément de personnes sur Internet. On voit en pleine cérémonie des mariages, où les gens sont en train de se réjouir, les boire et les manger et tout. On voit un groupe de gens entrer vêtis très bizarre, avec de signes et beaucoup de noir et tout, venir faire la cérémonie. Alors, sur cette vidéo, je me suis un peu renseignée parce que je ne voulais pas vous apporter quelque chose without explanation. Donc, je me suis renseignée, c'était quoi en réalité? Et aujourd'hui, je vous ai apporté la vraie version de cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner, cliquer la cloche de notification, aimer la vidéo, commenter et surtout partager la vidéo. Alors, on voit là l'homme noir qui a attaché une bouteille de bière dans sa bouche. On nous apprend que les messieurs ici, il est en fait le vendeur de bière. Il vend de bière, mais il les vend extrêmement. Ce sont de bières très chères. Le vin, le whisky, ça coûte énormément cher. Alors, quand vous avez par exemple une cérémonie, vous voulez à ce qu'ils viennent vous livrer votre commande de vos bières que vous avez commandées, lui va ajouter avec un spectacle. Donc ça, c'est pour justement émerveiller vos invités. Alors, il s'agissait de ça ici. Je ne sais pas si le marié et même vont choisir le thème ou comment est-ce qu'ils vont venir, mais on m'apprend que le monsieur ici, il n'est qu'un vendeur de vin, ça n'a rien, ce n'est pas grave. La cérémonie qu'on fait, c'est justement pour faire peur aux gens et tout, mais ça n'a rien de grave dedans. Alors, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, parce que moi, je ne vais pas donner mon avis ici. Je vais vous mettre le volume de la vidéo, vous allez même écouter, même la musique qui est en train de jouer. Ça fait peur cette musique-là. Et nous allons suivre la vidéo ensemble. En tout cas, cette vidéo, ça fait parler. L'histoire s'est passée au Nigeria. Ces mariages s'étaient passés au Nigeria. Il a en fait seulement son spectacle et tout, et puis il a livré sa bière et puis il est ressorti. Alors, je vais mettre la vidéo. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Je reviendrai à la fin de cette vidéo quand vous allez finir. Comme ça, je vais donner mon avis sur ça. Il y a des choses, d'autres sont spirituelles, d'autres, des gens se sont déjà habitués à faire ça, c'est normal. En fait, on m'apprend que c'est sa marque à lui, c'est sa personnalité, c'est ce qui a fait qu'il devient un peu populaire là-bas au Nigeria. Alors, suivez la vidéo, moi je reviens à la fin seulement pour conclure ma vidéo. Anytime you see a spicy board is coming out like this. Don't remember, Scooter. Never, no, never, no, never, no, never.
J'ai essayé de parcourir les commentaires. Plusieurs personnes ont dit que la manière de livrer ces bières sont extrêmement extravagantes. Ça fait peur. Si c'était moi, je n'allais pas boire les. Bon, ça dépend. Quelque chose devient ou prend du pouvoir sur quelqu'un si la personne donne du pouvoir à cette chose-là. Dans une fête, il n'y a pas que la bière, il y a aussi de la boisson sucrée, comme du jus, des boissons gazeuses et tout. Si tu sens que cette bière-là qu'on a livrée, bien que ça soit expensive, ça coûte énormément cher, tu n'es pas convaincu de la manière dont ils ont livré leur bière, justement, n'y prends pas. Quand on va dans une fête, on ne s'attend pas à ce genre de cérémonie. Mais on ne sait pas en réalité qu'est-ce qui lui motive à faire ça. Dans ce genre d'histoire, je me réserve beaucoup pour donner mon avis sur ça. Parce que ces derniers temps, on voit, on a peur, on voit. Après quelques jours, comme une dame là venait de décéder, justement 45 jours après son mariage, la femme est décédée. Mais on apprend que le couple, c'est un couple qui sert Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu. La vie d'une personne, c'est entre les mains de Dieu. Il faut qu'on arrête à donner de l'importance peut-être à des choses qui sont sans importance. La chose la plus, la meilleure des choses à faire, c'est de faire du bien. Faire du bien et respecter les lois divines. Ça, c'est plus important. Et de prier pour se protéger dans la prière si tu ne fais pas partie à un monde particulier. C'est carrément inexplicable de voir un chrétien se marier et acheter de la bière pour qu'une personne vienne livrer comme ça. Donc, quand on voit ce genre de cérémonie, on comprend quel genre de personnalité est le mari ou sa femme, quel genre de personne est ces messieurs-là. Alors, les femmes, faisons attention. Ou les hommes, faisons attention à qui nous nous donnons. C'est très important. Alors, moi, c'est Mama Réseau, moi, c'est Mama Buzz. C'était seulement une manière de vous faire réfléchir que ce n'est pas toutes les vidéos ou ce n'est pas toutes les cérémonies devaient retenir nos attentions. C'est une cérémonie. Bon, et même ils savent ce qu'ils ont fait. Même ils savent ce qu'ils ont fait. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez, mais c'est choquant et en plus ça fait peur. Hi! Mais moi, j'ai eu peur. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!